bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est l'unboxing de ma première Little Cigogne. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire un peu plus des vidéos sur le thème maman, bébé, enfant, et c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien étant donné que je suis maman de 3 enfants, donc je vais faire un peu plus de vidéos sur le thème un peu famille, bien que je vais continuer à faire des vidéos beauté et mode également pour adultes parce que ça fait partie également des choses que j'aime, mais je vais également me tourner vers des vidéos un peu plus familiale vu que c'est également ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui je vais tester pour la première fois la box Little Cigogne. C'est un peu comme la Click and Fit, vous savez, c'est exactement le même principe, donc je vais vous expliquer très très rapidement le fonctionnement. Et donc concernant la Little Cigogne, comme je vous l'ai dit, c'est exactement comme la Click and Fit, sauf que c'est tourné vers les enfants mais également les bébés, tandis que Click and Fit c'est que pour les vêtements adultes. Donc ça commence à partir de 6 mois, mais je ne sais plus trop vers quel âge, jusqu'à quel âge ils font en fait. Voilà, je vous invite à aller regarder sur le site. Le principe est exactement pareil. Vous vous inscrivez, vous répondez à des questions, donc le prénom de votre enfant, l'âge, la taille, également pour quelle saison vous souhaitez des vêtements. Ça, je trouve ça génial que vous puissiez choisir, car c'est vrai que moi, il me faut plus des vêtements pour ce printemps, pour mes enfants, que pour cet hiver. Cet hiver, ils ont vraiment ce qu'il faut, mais c'est vrai que pour le printemps, ils n'ont pas grand chose. Donc voilà, pour ma part, j'ai sélectionné des vêtements pour le printemps, enfin du moins, j'ai demandé à la personal shopper de se tourner vers des vêtements pour cette saison là donc ça, je trouve ça génial, on peut déjà choisir la saison auquel on souhaite avoir des vêtements. Ensuite ils demandent également, vous savez, les marques où vous avez l'habitude d'acheter vos vêtements, enfin les boutiques comme par exemple Tape à l'œil, Kiabi, etc. Et ensuite en fonction de ce que vous avez répondu à ce fameux questionnaire, et ben ils vont sélectionner des looks pour votre enfant. Pour ce qui est du prix de la Little Cigogne, faut savoir que vous ne payez strictement rien, même pas les frais de personal shopper, donc de la styliste, c'est entièrement gratuit. Vous testez tous les vêtements gratuitement chez vous, donc franchement moi j'adore ça, je trouve ça le principe super, parce que faut savoir que la Click and Fit vous payez quand même 4,90€ de frais de personal shopper, bien que c'est largement raisonnable, mais là pour la Little Cigogne, donc vous ne payez rien du tout. La seule chose dont vous aurez à régler, bien entendu, ça sera les vêtements que vous garderez en votre possession, ce qui est totalement normal. Donc si vous aussi vous avez envie de tester la Little Cigogne pour vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, vos neveux, sachez que je peux vous parrainer. Mon lien de parrainage est en barre d'infos, j'essaie également de vous l'afficher par ici, et cela vous offrira 10€ de réduction sur votre malle. Ils appellent ça en fait une malle et non une box. Donc voilà, si jamais cela vous intéresse, sachez que vous pouvez avoir 10€ de réduction avec mon lien. Et donc là, nous allons découvrir la sélection pour Mila. J'ai demandé une malle pour elle, donc à savoir, elle va avoir 5 ans très prochainement. Donc j'ai demandé des vêtements en taille 5 ans pour ce printemps, comme je vous l'ai dit. Donc on va découvrir ça de suite. Donc quand vous recevez la Little Cigogne, ça se présente dans un carton comme cela, avec inscrit Little Cigogne. Et à l'intérieur, on retrouve ben, les vêtements que ma personal shopper a choisi pour elle. Il y a inscrit sur, vous savez, le papier de soie, préparé avec amour. Donc on va regarder la sélection pour Mila. À l'intérieur, je découvre également une petite carte cadeau comme cela. Donc c'est pour le site Outfittery. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce et je ne connais pas du tout ce site là. Donc ça m'offre 30€ de carte cadeau. Donc ça c'est super. On retrouve également l'enveloppe retour. Donc si vous ne gardez pas des vêtements, bien entendu, il faut les renvoyer. Donc il n'y a également strictement rien à régler, il me semble. Mais par contre, je trouve ça très bizarre parce qu'il n'y a pas, vous savez, le fameux bordereau d'envoi sur l'enveloppe. Donc il faut vraiment que je jette un œil sur ceci. Mais normalement, vous n'avez pas de frais de retour également. Et puis je découvre également un sort de dépliant comme cela où il y a inscrit « Les habillés devient un jeu d'enfant ». Et donc, comme dit, c'est pour Mila. Donc ma styliste, enfin du moins la styliste de Mila s'appelle Sacha. Ah ben vous voyez, il suffit juste d'ouvrir toute la malle pour découvrir en fait. Donc ici, j'ai le fameux bordereau pour le retour. Donc comme dit, vous n'avez rien à payer
pour renvoyer les vêtements. Voilà, c'est entièrement gratuit également, tout est gratuit. La seule chose que vous avez à régler, c'est vraiment en fait les vêtements que vous gardez. Donc franchement, moi j'adore ça, ils fournissent même l'enveloppe pour tout vous dire. Ensuite, il y a également ben, la petite facture avec le prix des vêtements, hein, forcément. Donc à savoir, si vous gardez également toute la malle, donc vous avez une réduction, donc ça c'est super. Donc si vous gardez tous les vêtements en votre possession, vous avez moins 40% sur le panier. Donc franchement, c'est pas négligeable du tout. Et autrement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, pour ça, il n'y a rien. Et donc là, ils expliquent également, vous savez, comment en renvoyer. Enfin vraiment, il y a tout inscrit. Voilà, vous ne pouvez pas ne pas comprendre. Franchement, c'est vraiment génial le principe. Moi, j'adore trop. Ne serait-ce que déjà la Click and Fit pour adultes, c'est génial. Mais la Little Cigone pour les enfants, j'ai bien que j'ai pas encore découvert les vêtements. J'aime trop. Et puis, nous avons le petit dépliant. Donc, un petit mot de bonjour. Enfin, voilà. Un petit mot assez sympa. Donc, ça, je lirai plus tard. Bon, maintenant, nous allons découvrir les vêtements. J'ai oublié de préciser, à l'intérieur de chaque malle, vous allez retrouver 3 looks. Donc, on va découvrir le premier look. Donc, regardez, ça se présente ainsi. Chaque look, ils ont mis en fait un petit pactage comme cela. Enfin, franchement, j'adore trop. Alors, ne serait-ce qu'en regardant comme ça, franchement, j'aime beaucoup le style que Sacha a envoyé. Donc, je vais ouvrir et on va découvrir les vêtements. Enfin, franchement, moi, je trouve ça trop, trop beau. Enfin, déjà, le premier pactage, il me plaît vraiment pas mal. Donc, tout d'abord, je découvre un petit pull comme ça. Oh, il est vraiment canon. Regardez comment qu'il est beau. Enfin, franchement, je le trouve magnifique. Donc, en haut, il est de couleur beige. En dessous, couleur bleue. Enfin, franchement, j'aime trop. Donc, il est un peu en laine. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien pour le printemps ou même pour cet hiver. Elle pourra le mettre. Moi, je le trouve très, très joli. En fin de vidéo, je ferai les essayages de Mila. Je verrai également avec elle si elle aime ou non. Et puis en fonction, on verra bien parce que quand même, elle a quand même un âge pour me dire si elle aime ou non. Donc voilà, je verrai avec elle. Donc comme dit, j'ai demandé en taille 5 ans. Voilà, bien que elle est, c'est vraiment un mini modèle Mila, faut savoir. Elle met actuellement du 4 ans, mais voilà, je veux quand même qu'elle puisse le mettre l'année prochaine. Donc en taille 5 ans, donc c'est de la marque Storytelling. Je ne sais pas du tout comment que ça se prononce. Pour le prix de ce pull, alors je vais essayer de retrouver tout ceci. Donc c'est le look numéro 2, celui-ci. Bon après voilà, il n'y a pas écrit look 1, look 2. Donc le prix du pull là, si jamais je le garde, il est de 24,99€. Donc c'est largement raisonnable je trouve. Enfin franchement c'est pas excessif. Ensuite avec ceci, franchement ils ont tout prévu pour la Little Cigone. Je suis agréablement surprise, pourtant j'ai pas encore tout découvert. Il y a également des barrettes pour ce look, donc pour les cheveux. Regardez-moi ça, comment qu'elles sont jolies ces barrettes. Voilà, en motif arc-en-ciel avec des étoiles. J'aime trop, bien que Mila elle ne laisse strictement rien dans les cheveux, mais là franchement je trouve ça très très joli. Le prix de ces barrettes autrement est de 5,90€. C'est de la marque Storytelling. Alors si vous entendez du bruit derrière, j'ai Mila avec moi forcément, étant donné qu'elle va faire les essayages tout à l'heure. Ensuite avec ce fameux pull, elle a également mis, oh c'est trop chou, regardez moi ça. C'est en fait, enfin c'est pas vraiment un t-shirt, c'est un peu plus une chemise à manches courtes. Regardez les motifs comment ils sont canons, couleur un peu rosée, orangée. Alors je m'excuse pour la luminosité, selon comment je me place, ça donne autre chose. Mais franchement j'aime trop ce haut, je le trouve trop trop mignon avec le pull. Franchement c'est hyper sympa. Donc c'est également en taille 5 ans, c'est de la marque Eden and Victor. Eden et Victor, pardon, je sais pas pourquoi je veux dire ça à l'anglais, à l'anglaise. Et il y a également un petit motif, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Comme dit, à la fin de la vidéo, vous aurez les essayages. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce petit haut. Il va très très bien avec le pull, vous savez. Le matin, au printemps, bien souvent chez nous, il fait assez frisquet. L'après-midi, il fait un peu plus chaud. Donc voilà, je me dis, au pire, elle peut enlever son gros pull. Je n'ai pas dit le prix de ce top. Donc, il est un peu couleur corail, oui, effectivement. Donc, son prix est de 19,90€. Hein, donc, comme vous voyez, c'est vraiment pas excessif du tout les prix. Voilà, c'est pas 60€ ou autre. C'est vraiment les prix qu'on retrouve en magasin. Enfin, personnellement, moi, les prix jusqu'à maintenant, ça me convient très très bien. Et de plus, j'aime bien. Et pour avec ceci, bien entendu, ils font un pantalon. Donc, c'est... Ah non, c'est même pas un pantalon. Je raconte n'importe quoi. Je pensais que ça serait un pantalon, mais non. C'est en fait une jupe en jeans comme cela. Vraiment très très jolie également. Donc, c'est de la marque... Alors, LC Kids, si c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc une jupe en jeans taille 5 ans
également, enfin Mila, elle adore tout ce qui est robe, jupe. D'ailleurs, je leur ai précisé la chose quand j'ai fait mon petit questionnaire. J'ai dit que Mila adorait tout ce qui est très très féminin. C'est une fille qui aime énormément s'habiller en jupe et en robe. Donc voilà, parfait pour elle. Après, ce qui est vraiment très très bien, et franchement, heureusement qu'il y a ça, c'est, vous savez, les fameux élastiques là au niveau de la taille que vous puissiez resserrer. Car comme je vous l'ai dit, Mila c'est vraiment un petit modèle. Et bien souvent le souci c'est qu'au niveau de la taille, et ben elle perd. Donc moi il faut absolument que les pantalons, les jupes, etc. ont des élastiques pour que je puisse resserrer. Mais en tout cas la jupe elle est vraiment très très mignonne, je trouve. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc on verra tout ceci en fin de vidéo. Le prix de la jupe autrement est de 22 €. Honnêtement ce premier look me plaît énormément. Moi si ça serait pour moi, franchement je garderais tout. Maintenant je vais voir avec Mila si elle aime bien ou non. Ensuite on va passer au deuxième look, donc toujours de la même façon emballé. C'est vraiment génial, comme ça vous savez vraiment que tout ceci va ensemble. Donc je vais ouvrir ce prochain look. Et donc pour ce deuxième look, je découvre un pull une fois de plus, un peu de matière laine, mais sans être trop épais non plus. Enfin franchement j'aime beaucoup la couleur, c'est un peu une couleur écrue beige. Enfin franchement je trouve vraiment très très sympa ce pull. Donc c'est également de la marque LC Kids, donc taille 5 ans également, et son prix est de 24,99 €. Enfin franchement je le trouve très très mignon ce petit pull. Avec ceci elle a décidé de l'assembler avec une robe qui est comme cela. Enfin franchement elle est trop trop mignonne cette robe. Alors eux ils disent que c'est une couleur rose. Bon ouais, on va dire à peu près, c'est un peu un, c'est en fait entre le rouge et le rose. C'est un, enfin franchement j'aime beaucoup la couleur. Il y a des motifs un peu comme des feuilles. Enfin franchement je la trouve très très sympa cette robe. Mila elle va trop aimer, voilà, elle adore trop les robes, donc je sais qu'elle va bien kiffer. À l'arrière de la robe nous avons des petits boutons comme cela. Enfin franchement je trouve qu'elle est vraiment très très mignonne cette robe. Une fois de plus c'est de la marque LC Kids et son prix est de 29,99 €. Enfin franchement moi je trouve que les prix sont largement enfin ils sont vraiment pas excessifs quoi. Je trouve vraiment qu'ils sont corrects. Et avec ceci forcément au printemps plutôt, il faut toujours mettre des collants. Enfin chez nous voilà il fait pas trop trop chaud, il faut mettre quelque chose en dessous. Mais par contre les collants je vais pas lui les faire essayer, parce que si elle me les déchire de suite et qu'au final on veut pas garder le look, voilà, ça sera dommage. Donc voilà, les collants sont comme cela, donc ils vont parfaitement avec le pull. Je sais pas si vous allez voir, le collant il est de couleur écrue hein, comme je vous l'ai dit, avec comme le pull. Et il y a également des petits motifs dorés. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais ils sont vraiment très très mignons. Enfin, il est vraiment très très mignon le collant. Comme dit, ils ont vraiment tout assemblé. Je trouve ça trop génial. Voilà, vous avez vraiment des looks finis en fait. Vous n'avez plus rien à chercher. Pas besoin de courir après un collant dans l'armoire ou autre. J'adore. Et le prix du collant est de 7,90 €. Et pour finir, le dernier look. Donc le troisième. Donc le paquetage est... ici. Enfin moi j'adore trop, franchement c'est trop trop bien fait, ils ont vraiment pensé à tout. Donc nous avons, on retrouve tout d'abord un sweat comme cela de couleur bleue. Donc c'est un petit basique, donc franchement ça c'est génial pour aller à l'école. Voilà, moi Mila quand elle va à l'école je sais pas trop de l'habiller classe on va dire, parce que avec la peinture etc, bien souvent elle tombe dans la cour. Je veux pas trop qu'elle me flingue certains fringues. Donc voilà, un petit pull comme ça, un sweat, c'est vraiment pas perdu du tout dans l'armoire. Donc c'est également de la marque LC Kids. Alors je sais pas si je me demande si je suis pas en train de raconter des conneries. Enfin non, mais pour moi c'est la marque LC Kids. Enfin, voilà, donc comme ça. La couleur, c'est un peu une couleur bleue. Franchement, très très mignonne la couleur. J'aime beaucoup. Et en plus, cette couleur-là, elle n'a vraiment pas dans son dressing Mila. Donc moi, j'aime beaucoup ce petit sweat. Le prix du sweat est de 22,99 €. Avec ceci, on associe ceci, un petit top, qui est également un petit basique, on va dire. Un petit top de couleur noire, comme cela. Donc pareil, hein, LC Kids également. Je sais pas si vous allez voir, il y a un peu des motifs losanges, mais je pense pas. Non, je pense pas que le rendu vous allez le voir. Mais voilà, c'est un petit basique également pour mettre en dessous du pull. Bon, ce que je ferai, parce que vous n'allez pas voir
Si je mets en dessous, vous n'allez pas voir. Donc je mettrai le pull, vous savez, sur les épaules, comme il a, va faire les essayages. Enfin, je vais voir comment que je vais faire ceci, mais histoire que vous voyez un peu toutes les pièces. Donc voilà, un petit basique, top noir, taille 5 ans. Et son prix est de 12,99€. Et avec ceci, on a, pareil, hein, Mila, elle va trop aimer, une jupe qui est ainsi, donc couleur noire. Un peu avec des volants, vous savez, qui est une... enfin voilà, moi j'aime trop, franchement je la trouve trop mignonne. À élastique, ça c'est vraiment génial, voilà, je pense que ça va lui se tenir à la taille, au moins je suis sûre qu'elle va pas perdre la jupe. Je la trouve trop mignonne, la jupe, je sais pas ce que vous en pensez, regardez-moi ça, enfin moi je la trouve très jolie. Une fois de plus, j'aime bien ce look, enfin les trois looks qu'elle m'a sélectionné, Sacha, j'aime énormément. Le prix de la jupe est de 22,99€. Donc voici concernant les trois looks. Donc à se voir, ça fait un total de 194,73€. Autant vous dire que moi je trouve ça largement raisonnable. Je trouve ça pas cher du tout. Vous allez en magasin pour acheter autant de vêtements, vous ressortez exactement pour ce prix là. Enfin du moins je trouve c'est vraiment pas cher. Enfin voilà, ça reste... franchement, c'est pas excessif et enfin moi je trouve personnellement. Si je garde toute la malle complète, donc comme je vous l'ai dit, vous avez moins 40% de réduction. De ce qui fait une réduction de 77,89€. Donc si je venais à garder tous les vêtements de la malle pour Mila, cela me reviendrait au prix. Mais franchement, je trouve ça génial et pas cher pour ma part. Le prix de la malle me reviendra à 116,84€ pour donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour 10 articles. Je reviendrai à 116,84€ de vêtements et d'accessoires parce qu'il y a également les petites barrettes et les collants. Franchement, moi je trouve ça très raisonnable. Enfin, franchement, pour le prix là, moi je trouve voilà, ça va. Maintenant, je vais passer aux essayages avec Mila en espérant qu'elle soit coopérative. Je vais voir comment que je vais faire avec les pulls, voilà, pour que vous les voyez également porter. Peut-être je vais... enfin, on va voir. On va voir ça de suite. Donc, voici le premier look pour Mila. Donc, je vous l'avais présenté. Donc, le pull et la jupe. Bon, la jupe, elle est un peu mise de travers. Hein. Je sais pas comment que tu as mis ta jupe, toi. Donc, voilà. Donc, franchement, moi, j'aime trop le pull. Après, la jupe, je vous avoue qu'elle est un peu trop grande. Pourtant, j'ai resserré les élastiques. Mais elle nage encore dedans, enfin voilà, actuellement elle met du 4 ans. Bon, au pire c'est pas grave, ça lui ira plus tard. Je vais enlever le pull pour vous montrer avec la chemise, franchement c'est trop beau. Et donc voici avec, vous savez, la petite chemise couleur corail. Enfin franchement, j'aime trop ça, trop bien ensemble. Je suis trop fan de la chemise. Tourne-toi juste Mila. Enfin franchement, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu peux te retourner à nouveau. Et toi Mila, qu'est-ce que tu penses des habits là? Est-ce que tu aimes bien? Oui. Ça te plaît bien les habits là? Oui. Ouais. Donc voici le deuxième look. Bon franchement, moi je trouve que le pull et avec la robe, ça le fait pas trop. Enfin ouais, bon bof, voilà, faut aimer. Mais autrement, je trouve que le pull est vraiment très sympa. Sur un jean, ça peut également le faire. Et niveau taille, on est très bien. Alors comme dit, hein, je lui ai pas mis les collants, voilà, parce que tout simplement, j'ai peur. Avec Mila, bien souvent, je lui mets une fois les collants et je les déchire. Donc voilà, je voulais pas lui les mettre. Mais faut savoir que les collants sont exactement du même couleur que le pull. Je vais lui enlever le pull pour vous montrer la robe. Franchement, la robe, elle est juste canon. Et donc, voici la robe portée. Franchement, moi, je la trouve juste magnifique. J'aime trop. De plus, je vous ai pas montré au niveau des épaules. Attendez, je vais lui enlever les cheveux. Vous voyez, il y a des petits volants. Enfin, franchement, moi, j'aime trop cette robe. Tu peux te tourner, Mila, comme ça, on voit derrière. Comment que ça fait? Voilà. Franchement, moi, je la trouve trop belle. Et toi, Mila, qu'est-ce que t'en penses? Elle est... T'aimes bien ou t'aimes pas? J'aime bien. Est-ce que tu veux la garder, la robe? Oui. Pourquoi tu veux la garder? Pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Maman l'aime bien aussi. Je pense que la robe là, on va la garder. On va essayer le dernier look. Et donc là, le dernier look. Donc vous savez, le fameux suite de couleur bleue avec la jupe. Je vais me rapprocher avec les motifs. Je ne sais même pas ce que c'est comme motif.
Bon, c'est des petits points, des paillettes un peu comme cela. Donc voilà ce que ça donne. Mila fait un petit peu le défilé. Tu tournes? Ouais. Enfin voilà, moi je trouve que cet ensemble c'est vraiment très très joli. Enfin franchement je m'y attendais pas qu'un suite de couleurs comme ça puisse aller avec une jupe ainsi. J'aime beaucoup. Je vais enlever le pull pour vous montrer avec le petit haut, vous savez, le petit top de couleur noire. Et donc voici avec le petit top, vous savez, de couleur noire. Enfin franchement moi j'aime bien, je trouve que c'est un look assez simple mais ça fait quand même habillé. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Je vais m'approcher, vous voyez là il y avait des petits motifs losanges. Enfin franchement j'aime trop et la jupe elle est vraiment très très mignonne. Tu peux te tourner Mila juste pour montrer derrière comment ça donne. Enfin personnellement j'aime bien. Maintenant Mila, qu'est-ce que t'en penses? Bien. T'aimes bien, en même temps toi t'aimes bien tout ce qui est jupe et robe, hein? Oui. Ouais. Alors est-ce que tu veux garder ça ou non? Dis-moi ce que tu veux faire. Je veux la garder. Tu veux aussi garder, toi tu veux tout garder. C'est quoi, c'est quel habit que tu préfères? Quel est l'habit que tu préfères? Rose. La robe rose, hein? Oui. Celle-là, elle t'a bien plu. Ouais, bon. Enfin voilà, moi je trouve que franchement, niveau look, j'aime beaucoup. Elle a vraiment très très bien choisi. Et donc voilà, concernant les essayages, alors Mila a un gros coup de cœur pour la robe rose. Elle m'a répété je ne sais combien de fois, maman, tu gardes cette robe, elle est trop trop belle, je veux la mettre pour l'école. Enfin, c'est vraiment son gros coup de cœur, elle ne me parle que de cette robe-là. Donc déjà, sûr et certain, je vais garder celle-ci. Après, elle aime bien aussi le reste, mais c'est vrai que la robe, c'est vraiment son gros coup de cœur. Mais franchement, je m'en doutais. Elle aime trop les robes, donc voilà, je vais lui garder la robe. Et également, vous savez, les collants. En l'occurrence, voilà, comme ça j'ai quelque chose pour lui mettre en bas. Donc les deux articles là, je vais lui les garder sûr et certain. Pour ce qui est du reste, je vais voir. La jupe en jeans, je vais pas la garder parce que déjà de une, ça lui va pas. Bien que ça lui ira d'ici quelques mois. Mais j'en ai en ma possession pour tout vous dire. Donc voilà, je vois pas trop l'utilité de la garder. Bien qu'elle est vraiment très très jolie. Après le top en corail, vous savez, avec les carreaux. J'aime trop, moi j'ai un coup de cœur dessus, donc je pense que celui-ci également je vais garder. Enfin, personnellement j'aime tout en fait, franchement je suis pas du tout déçue de la sélection pour une première Little Seagull. Franchement j'aime trop ce que la styliste a choisi, enfin bravo, chapeau à elle, c'est vraiment tout ce que j'aime, tout ce que Mila elle aime, enfin on est vraiment au top. Donc si vous aussi vous voulez tester la Little Seagull pour vos enfants comme je vous l'ai dit, eh ben n'hésitez pas à utiliser mon lien, ça va vous offrir 10€ de réduction. Donc voilà, si jamais vous passez plus tard, vous gardez un vêtement, eh ben sachez que vous allez avoir 10€ de réduction sur un de vos articles. Donc ce qui n'est pas rien. Donc franchement, n'hésitez pas à utiliser mon petit lien si vous avez envie de tester cette malle vêtement pour enfants. En plus, comme je vous l'ai dit, vous n'avez rien à payer, hein. C'est la seule chose dont vous devez payer, c'est les vêtements dont vous gardez en votre possession. Pour ce qui est du reste, après vous avez juste à vous rendre sur le site, à écrire retour, vous mettez tout ceci dans l'enveloppe avec le petit bordereau collé dessus et vous le renvoyez à la poste. Franchement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à payer, juste les vêtements. Donc autant vous dire, moi j'adore trop ce principe. Enfin je vais continuer, je reçois des box tous les... Enfin, des box, ils appellent ça des mâles, mais je suis habituée à dire box. Je vais recevoir des box tous les 2 mois. Décidément, des mâles tous les 2 mois pour mes enfants. Donc, j'ai pas pris pour Lesia parce que tout simplement, elle récupère tous les vêtements de Mila. Donc, à savoir, Lesia, elle a 2 ans. Donc voilà, elle récupère forcément les vêtements de Mila. Peut-être que je vais quand même tester une fois pour Lesia pour voir ce qu'ils proposent pour les enfants de 2 ans. Je pense que ça peut être sympa. Très prochainement, je vais vous dévoiler la Little Cigogne de Tilio, donc en l'occurrence de mon bébé, de mon petit dernier qui lui a 3 mois. Donc j'ai choisi des vêtements en 6 mois étant donné qu'ils font que à partir du 6 mois, mais ça tombe très bien parce que le 6 mois, il le porte au printemps, donc des articles que j'ai pas en ma possession. Donc on va découvrir ça très très prochainement en vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Ça aussi c'est entièrement gratuit, ça vous engage à rien. Et puis mettez-moi bien un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Maintenant j'attends tous vos retours en vidéo, ce que vous pensez de ces fameux looks. Et puis moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très vite.